Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo super courte, super facile, je dirais même fastoche, c'est pour vous dire, pour faire des petits nœuds. Voilà, si vous n'êtes pas doué pour faire les petits nœuds, ben, je vais vous montrer une astuce de dingue. Alors, il vous faut des chutes de ruban, un petit sachet d'élastique comme ça, voilà. C'est au rayon coiffure hein, que vous trouvez ça. Une règle, enfin, de quoi mesurer, une paire de ciseaux, un briquet, quelques petits strass et de la colle. Ok? Donc, je vous montre. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Vous allez couper un morceau de ruban d'au moins 17 cm. De toute façon, après, vous pourrez retoucher. Hein. Donc, d'accord? Donc, hop, 17 cm. Jusque-là, ça va. Donc, une paire de ciseaux qui ne coupe pas. C'est-à-dire, je viens de découper du scotch double face. Mais t'as rien vu, là? Bah, dis-le si t'as rien vu. Tu me dis pas. Je disais, tu prends un morceau de ruban d'à peu près 16-17 cm. Hein? Tu vois, à peu près. Hein? T'embête pas. Et donc, je te disais que ma paire de ciseaux était dégoûtante parce que j'ai découpé du scotch double face. Alors regarde, parce que c'est là que tu vas être épaté. Tu vas brûler chaque morceau du ruban dans un premier temps. Après, tu peux recouper à la taille que tu veux. Tu vas le plier en trois. Regarde, hop, hop, ça, tu es capable. D'accord? Tu le plies en trois. Tu le serres dans tes petits doigts et tu prends un élastique. Et là, tout simplement, tu vas mettre l'élastique au milieu. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Voilà. Encore une fois, hop. Ensuite, tu n'as plus qu'à la placer bien au milieu. Voilà. Et tu tires tes petits morceaux. Enfin, les morceaux que tu as mis à l'intérieur. Du coup, enfin, tu vois ce que je veux dire, les extrémités. Voilà. Et regarde. Après, tu peux régler comme tu veux, tu vois, si tu trouves que c'est trop large. Eh bien, tu tires. Tu tires, hop, ça te réduit le bazar. OK? Et ensuite, pour cacher l'élastique, tu mets un petit point de colle. Tu ouvres la colle d'abord, parce que sinon, tu verras, ça ne marche pas. Donc, tu ouvres la colle. Non, mais tu l'ouvres pour de vrai. Voilà. Alors, il se peut que la colle soit sèche. Les aléas du direct, mes amis. Hop. Ça y est. Mais on a un problème, là. Ah! C'était bouché, c'est débouché. Et tu mets un petit strass. D'accord? Tac. T'as plus qu'à laisser sécher. Tu mets de côté, tu laisses sécher. Allez, on en fait un autre. Tu prends à peu près environ. Je prends une paire de ciseaux un peu propre. Tu prends, allez, moi je pense que 15 cm, 15-16 cm c'est suffisant. Ok, d'accord. Tu brûles les extrémités. Une, deux. Tu le plies en trois. Comme ceci. D'accord? Tu le resserres dans tes petits doigts.
pinces le milieu en fait, hein, ok? Et tu vas mettre ton élastique. Petit élastique, hop, et tu y vas. Tu fais quelques tours, quoi. Comme tu le sens, comme tu le sens. Hop. Ensuite, tu lâches. Tu le mets en place, tu vois. Regarde, ici, il n'est pas bien au milieu. Ben, c'est pas grave, tu le fais glisser. En ouvrant comme ça, tu vois. Tu arrives à déplacer ton élastique. Ensuite, tu tires l'extrémité. Tu tires l'autre extrémité qui est à l'intérieur. Hein, c'est tout à fait normal. Hop. Et voilà. Et tu tires un peu à droite pour que ce soit plus joli. Un peu à gauche pour que ce soit joli aussi. Tu le travailles un peu. Comme ceci. Regarde, t'es pas mal. Moi, je trouve qu'ici, il est plus long. Donc, hop, tu tires un peu. Regarde. C'est pas beau, ça. Regarde-moi ça. Et pour cacher l'élastique, une petite pointe de colle. Je crois que cette colle en a après moi. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas couler ? Ça y est, rien. Hop, tac, j'ai bien dosé. Un petit strass. Et t'as un joli petit nœud. C'est simple, non ? Voilà, donc je vais en faire tout un petit tas. Et puis à la fin, je te montre le résultat, malgré que tu connaisses déjà le résultat. Donc vous avez vu, c'est super facile. Vous pouvez vous faire plein de petits nœuds rapidement. Et puis voilà quoi, je trouve que c'est une petite astuce bien sympa. Alors je ne sais plus où j'avais trouvé cette astuce, hein. Je ne sais plus où est-ce que j'ai appris ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est très bien. Donc je vous la partage, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie, de cliquer un pouce j'aime ou un pouce je n'aime pas. Et puis voilà, et puis si vous avez envie de faire du lèche-vitrine, et ben dans le descriptif, il y a ma petite boutique. Je vais mettre d'autres trucs là, je suis en train de préparer des petites choses. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.